ces deux protocoles d'accord. C'est pour un montant de 90 millions de dollars. Et les deux projets, ça concerne d'abord l'amélioration de la santé maternelle, pour 70 millions de dollars, et un projet de promotion des entreprises et des investissements pour 20 millions de dollars. Le projet materno-infantile, là, c'est duré 5 ans, et qui devrait en principe se terminer le 31 décembre 2018. Et ce projet consiste en l'amélioration de l'accès de la population aux soins de santé maternelle et infantile et à fournir des services sociaux intégrés de nutrition. Donc ce projet se propose par le biais de ces services d'atteindre environ 1,8 million de personnes, en particulier des femmes et des enfants. Ce projet comprend deux composantes. Une composante fourniture des services de nutrition et de soins de santé materno-infantile à travers la réhabilitation, l'équipement bien et matériel médical des hôpitaux et centres de santé qui tombent dans l'ère du projet. Et ce projet donc va intervenir tant au niveau central, départemental et local dans l'amélioration de la capacité de gestion et de supervision des services médicaux fournis par les structures de soins à la population. Le projet de promotion des entreprises et des investissements, c'est un projet donc de 20 millions de dollars. Ce projet aussi est sur une durée de 5 ans et donc doit prendre fin au 31 mai 2018. Les objectifs du projet, déjà, c'est de supporter les réformes de l'environnement des affaires en Haïti en vue de stimuler l'investissement privé, tant local qu'étranger, et de supporter la croissance de l'activité économique et la création d'emplois dans les secteurs prioritaires comme le tourisme, l'agro-industrie, le textile. L'une des composantes du projet concerne l'environnement des affaires et la promotion des investissements privés. Donc, au niveau de cette composante, il est prévu de réviser le cadre légal des affaires, mettre en place un registre électronique et contribuer à la formation des employés. Et l'assistance technique donc sera fournie au ministère du Commerce et de l'Industrie pour pouvoir effectuer une étude sur les contraintes et les barrières au bon fonctionnement du marché et à la libre concurrence en vue de proposer les mesures correctives appropriées. La Banque mondiale a un portefeuille de projets en Haïti qui porte sur à peu près 17 projets pour un montant global de 736 millions de dollars. De ce montant, 308 millions ont été déjà décaissés, soit un taux de décaissement de 42%. Et les principaux secteurs d'intervention de la Banque sur Haïti, ça concerne la gestion des risques et désastres, les logements sociaux, agriculture, électricité, éducation. Je suis très très content aujourd'hui de signer deux projets parce que si vous regardez, il y a un projet qui est typique de la Banque mondiale, un projet de nature économique, croissance économique, qui est dirigé à amélioration du climat d'affaires, investissement, création d'emplois, etc. Et de l'autre côté, on a un projet que c'est le visage humain de la Banque mondiale, le projet social qui vise à sauver des femmes, à sauver des enfants, à améliorer les conditions de vie des pauvres, des plus pauvres, les plus démunis. Et c'est, je crois que cette combinaison entre les projets de nature plus économique et les projets sociaux, c'est quelque chose que j'ai essayé d'imprimer pendant mon séjour comme envoyé spécial de la banque en Haïti. Et je crois qu'aujourd'hui, avec vous, on peut voir un peu les fruits de cette combinaison de deux stratégies, la stratégie économique, la stratégie sociale, que j'aimerais bien les voir faire travailler ensemble. Un dernier mot qui me paraît important souligner. La banque n'a pas de projet en Haïti. La banque soutient les programmes et les projets des ministères du gouvernement. Ce n'est pas le programme de la banque pour la materno-infantile. On soutient le ministère de la Santé. Ceci est le programme du ministère et de Dr Guillaume. Ce n'est pas notre projet. On va financer une tranche du programme du gouvernement. En même temps, le programme d'investissement et de climat d'affaires, ce n'est pas notre programme, c'est le programme de notre ministre Lalo qu'on appuie
depuis quelque temps et que maintenant, au-delà d'assistance technique, on veut y mettre put your money where your mouth is, mettez l'argent là où votre discours en est. C'est aussi une opportunité pour vous dire que j'ai été envoyé spécial de la banque pendant 3 ans et presque 3 mois. Malheureusement, mon mandat termine le 30 juin. Ma collègue Marie Bartendock prendra le flambeau le 1er juillet et nous sommes tous très heureux de l'accueillir ici aujourd'hui.